Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un cœur chromé sur fond rose. Alors pour cela, je vais utiliser le Baby Nude, toujours dans les vernis 3 en 1. Et comme toujours, je vais l'appliquer en deux couches. Il faudra bien sûr faire catalyser la première couche avant de mettre la seconde. Nous appliquons à présent la seconde couche. Que nous allons à nouveau laisser catalyser pendant 30 secondes à 1 minute. Nous allons à présent appliquer la finition mate. Et ça repasse dans la machine. Voilà, notre ongle est bien mat. On va à présent pouvoir utiliser notre semi-permanent, donc 3 en 1 Freedom Noir, donc pour dessiner notre cœur. Pour cela, j'utilise un pinceau de nail art. Je vais prélever un peu de produit. Voilà, et on va à nouveau catalyser notre cœur. Alors par contre, je viens de voir que je ne l'ai pas tout à fait centré, donc je vais le refaire un peu plus centré. Voilà, notre cœur a catalysé. On va à présent utiliser les pigments chromés. Et voilà, on va enlever donc les petites paillettes, donc les petits pigments qui se trouvent autour. Mais vous voyez que notre effet chromé est vraiment bien présent. Et maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser uniquement sur l'effet chrome avec notre finition brillante, donc notre Top Coat Shiny. Mais uniquement sur le petit cœur. Si on veut être encore plus précise, on va utiliser un pinceau fin de nail art pour pouvoir donc justement repasser sur les contours pour que ce soit encore plus net, pour que vraiment notre finition aille bien jusqu'au bord. Et voilà, on va le laisser catalyser et ce sera déjà fini. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.